Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Weave. Nous recevions en ce début d'année des maçons mystérieux, puis le portugais José Manuel Barroso, et aujourd'hui nous avons l'honneur de vous recevoir, Monsieur Colomb. Les mardis de l'ESSEC seraient-ils devenus une entreprise de BTP ? Quoi qu'il en soit, vous êtes le bienvenu en ces lieux. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais vous êtes ici en terrain familier. Ici, c'est Cergy, la ville du béton. Autour d'une grande dalle grisâtre, sorte de caveau recouvrant le RER, des immeubles informes et tristes. Pour être honnête, Monsieur Colomb, je crois que peu d'entre nous apprécions ces murs gris et indifférents. Cergy est bien laide, et peut-être faut-il vous en vouloir. N'est-ce pas vous qui avez immondé le monde de millions de mètres cubes de béton pendant plus de 30 ans ? Vous entrez en effet chez Lafarge en 75, quittant les cabinets ministériels pour l'industrie. Peu à peu, vous grimpez les échelons jusqu'à être choisi par Olivier Le Serre, président du groupe jusqu'en 89, pour lui succéder. La politique d'expansion internationale du groupe se poursuit pendant votre ère, le cimentier s'implante dans de nouveaux pays, la production augmente de façon exponentielle, Lafarge devient le leader mondial du ciment. Mais à ce rythme, le monde entier ne risque-t-il pas de ressembler à Cergy ? Ce serait dommage. Après tout, vous avez vous-même fui cette ville. Vous enseignez en effet la théorie des organisations à l'ESSEC jusqu'à ce que, je vous cite, l'école aille à Cergy-Pontoise. Je ne sais pas trop comment nous devons le prendre. Pourtant, je pense que vous pourriez vous plaire ici. Je ne doute pas que Polytechnique et les mines, école où vous avez étudié, aient leur charme. Mais je suis absolument sûre de ceux de l'ESSEC. Cette école se veut profondément humaniste et l'on nous y enseigne à porter ses valeurs là où nous mènerons notre désir et notre liberté. Et peut-être cette idée entre-t-elle en résonance avec l'âne, j'ose parler d'âme, du groupe Lafarge. Vous y êtes entré, dites-vous, en raison non seulement de son caractère international, mais aussi parce que c'est une entreprise humaine. L'idée d'une responsabilité sociale est en effet une tradition séculaire chez Lafarge. Le paternalisme du XIXe siècle était déjà une forme d'humanisme. À Viviez, berceau ardéchois du cimentier, Lafarge loge alors ses employés dans une cité modèle, les soigne, surtout se préoccupe de leur éducation. Cette attitude est aussi charitable qu'intéressée. Un employé éduqué, en bonne santé, est un employé efficace. Ce paternalisme ancien n'est plus à l'ordre du jour, mais les préoccupations humaines de l'entreprise n'ont jamais disparu. Vos charismatiques prédécesseurs Marcel Demonc et Olivier Le Serre y étaient attachés. Et vous, Monsieur Colomb, vous marquez l'histoire du groupe Lafarge en étendant cette idée de responsabilité à l'environnement. Une touche de vert dans un monde gris, soudain l'esprit pionnier vous anime, voilà que Lafarge s'engage dans l'écologie industrielle. L'écologie industrielle. Vaste programme. On imagine mal comment cette expression pourrait être autre chose qu'un ironique oxymore. Mais une fois encore, soyons magnanimes. Ce n'est pas moi qui vous jetterai le premier parpaing. Et puis après tout, économiser de l'eau, du carbone, c'est toujours faire des économies. Et si, en outre, elles améliorent l'image de l'entreprise, alors pourquoi s'en priver ? En somme, ça ne coûte pas plus cher de bien me produire. Très vite, vous fixez des objectifs de réduction des émissions de carbone à l'entreprise, objectifs tenus et relayés par d'autres plus ambitieux encore. La gestion de l'eau, la question de la biodiversité, celle de l'énergie deviennent également incontournables. Vous allez cependant plus loin. En 1995, vous êtes membre fondateur du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et vous en assurez la présidence en 2004 et 2005. Cette structure permet aux entreprises de tous horizons de se rencontrer et de progresser ensemble vers un monde plus propre, plus vert. Au lieu du greenwashing, diraient les Khmers verts. Mais, bien loin de ce genre d'extrémisme, vous restez pragmatique. Votre tâche principale chez Lafarge consiste à produire du béton le plus efficacement possible. Vous y alliez le respect des personnes et du monde, dans un équilibre sans doute fragile, difficile en tout cas à déterminer. Une aurea mediocritas, aurait dit Horace. C'est-à-dire un juste milieu, précieux comme l'or, dans un monde de plus en plus complexe et affecté par la folie de la démesure.
Voilà sans doute toute l'ambiguïté de l'idée de RSE, combiner subtilement prospérité économique, respect des hommes, de leur habitat. Mais les alliages, ça vous connaît, monsieur Collomb. Qui, mieux qu'un cimentier, pourrait y réussir? Je vous souhaite un agréable débat. Merci Eugénie. Bonjour monsieur Collomb, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, pendant 1h30, nous aimerions parler avec vous d'abord de votre groupe, Lafarge-Holcim, en revenant sur la récente fusion. Puis vous nous direz quelles sont les perspectives d'avenir, développement d'un groupe désormais largement numéro un. Ensuite, nous aborderons avec vous des questions plus politiques. Tant on le sait, Eugénie l'a dit, vous êtes attaché aux questions de développement durable et de RSE. Donc nous aimerions échanger avec vous sur la fusion entre le groupe français Lafarge et Holcim, deux leaders mondiaux dans le secteur des matériaux de construction. Ce mariage, à l'origine, se voulait d'égal à égal, avec une parité fixée avec une action Holcim contre une action Lafarge. Finalement, suite à la pression des actionnaires du groupe Holcim, la parité tombe à 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge. Et ça ne s'arrête pas là, les contreparties de la fusion changent, le PDG Bruno Lafont devait diriger Lafarge-Holcim, puis finalement a été botté en touche, le siège social a été rapatrié en Suisse. Peut-on encore parler aujourd'hui d'une fusion d'égal à égal? Oui, alors d'abord avant de discuter la notion de fusion d'égal à égal, je voudrais dire d'un fond pourquoi cette fusion? Parce que moi, dans toute la période où j'étais président, directeur général de Lafarge, effectivement, les entreprises européennes en matière cimentière étaient les leaders mondiaux. Il n'y avait pratiquement plus d'Américains et il n'y avait pas encore de gens des pays émergents. Et pourquoi c'était les Européens? C'est intéressant, c'est parce que les Européens sont des gens qui croient à la technique, qui croient au progrès. Les ingénieurs européens avaient toujours cru au ciment. Alors que les Américains, à un certain moment, avaient abandonné ça, ça ne les intéressait plus, etc. Donc les boîtes américaines avaient été achetées par les Européens et un peu par les Japonais. Alors les Japonais s'étaient bien développés, mais ils ne sont jamais devenus internationaux. En fait, donc les deux grands leaders, c'était Holcim et Lafarge. Ou plutôt d'ailleurs Lafarge et Holcim, parce que nous étions quand même légèrement plus gros, mais enfin, ça dépendait comment on comptait. Et puis les choses ont commencé à changer avec le développement des marchés émergents. Et si vous voulez, alors il y avait eu un Mexicain qui nous avait menacé un moment, puis Cemex. Et Cemex, il a fait un mauvais investissement au mauvais moment en achetant énormément aux États-Unis juste avant la crise. Et d'ailleurs déjà avant, en 95, il avait failli faire faillite. Enfin bon, il a été un peu sur la corde raide. Mais maintenant, on a deux cimentiers chinois qui, tout seul, en Chine, faisait autant de tonnes de ciment que Lafarge dans le monde. Alors, en tonnes, pas en valeur, heureusement, ni en bénéfice, mais en tonnes. Et on se disait que le jour où ces Chinois ou ces Indiens, et un Africain aussi, Dangote, qui est également un très gros, ces grands groupes vont devenir des challengers majeurs. Et en même temps, nos groupes, surtout après la crise financière, avaient perdu en flexibilité financière et on se retrouvait à être dans beaucoup de pays sans avoir l'argent pour investir, pour suivre la croissance de ces pays. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais dans le fond, c'est idiot, la concurrence n'a pas de raison d'être entre deux Européens qui font à peu près la même chose, il faut qu'on se mette ensemble et là, on deviendra un leader fort par rapport aux futurs leaders des pays émergents. Donc ça, c'était la logique de la fusion. Ensuite, fusion d'ego, parce qu'effectivement, les deux groupes avaient, en termes de valeur boursière, de valeur d'actifs, etc., à peu près les mêmes valeurs, et également en termes de tradition, etc., enfin, le même. Alors, vous me dites que cette fusion d'ego a été compromise par la remise en cause de la parité 1 pour 1. Là, je ne suis pas d'accord. C'est un faux semblant. Supposez une minute que Holcim ait eu deux fois plus d'actions qu'il n'en avait actuellement, qu'il ait divisé l'action par deux. Ben, on aurait donné deux actions Holcim pour une action Lafarge. La parité 1 pour 1 au niveau des actions
était un hasard. Alors c'était un hasard qui était symboliquement commode, parce que, effectivement, comme on disait, merger d'ego, ça voulait dire, fusion d'ego, ça voulait dire que les valeurs boursières étaient à peu près les mêmes, et ça voulait dire que dans la gestion, il y aurait parité entre les anciens Holcim et l'ancien Lafarge. Alors effectivement, cette remise en cause de la parité, ce n'est pas qu'elle nous ait fait plaisir, mais en soi, elle n'était pas. Elle a eu une valeur symbolique beaucoup plus qu'une valeur réelle. En plus, alors entre nous, le deal était tellement favorable à Lafarge au départ que abandonner 10%, le deal avait été très bien négocié par mon successeur. Moi, j'y étais pour rien. Donc, j'étais au courant, mais j'étais pour rien. Parce que j'avais déjà quitté le management du groupe pendant longtemps. Et donc, c'est les deux que vous voyez là, M. Soiron. Alors après, il s'est passé des choses. M. Soiron, qui était le président du conseil de surveillance d'Holcim, il est parti en retraite, il a été remplacé par un autre, etc. Donc, on a remis en cause ce parité, mais 10% près, ça n'avait vraiment pas de signification. Par contre, on a remis en cause, effectivement, le management, le rôle de Bruno Lafont, ça a été plus dur. Où on en est ? Eh bien, on en est que l'équilibre de management reste un équilibre d'ego. C'est-à-dire que moi, je suis administrateur de Lafarge Holcim. Nous avons 7 anciens Lafarge, 7 anciens Holcim. Le patron, ce n'est pas Bruno Lafont, effectivement, mais c'est Eric Olsen, qui est un patron qui a été 15 ans avec Lafarge, qui est un Américain, mais qui avait pris la nationalité française. Et que les choses évoluent et que maintenant, ce n'est plus du tout un problème de... Alors, il reste effectivement, non pas comme vous dites que le siège est à Zurich, parce que il y a un siège à Zurich, un siège à Paris, et il y a un siège à Lyon pour la recherche. La R&D. Mais la société est juridiquement suisse. Bon, alors ça, malheureusement, les Français pourraient réfléchir à savoir pourquoi les sociétés ont intérêt à ne pas avoir leur siège en France. D'accord, bon. On a peut-être une petite idée. Mais il y a quelques années, les rumeurs parlaient plutôt d'une fusion avec Saint-Gobain. Est-ce que ça a été sérieusement envisagé ? Est-ce que vous... Est-ce que c'était une stratégie d'intégration verticale ? Rêvait à la fusion Saint-Gobain-Lafarge. Écoutez, je ne veux pas... Il ne faut jamais dire du mal des autres groupes. Mais Saint-Gobain est un groupe remarquable et son président, ancien président était un très bon dirigé ami, par un essai. Promotion de l'IX, etc. Donc... mais Saint-Gobain est un groupe qui a toujours eu du mal à être lisible sur ses activités, tellement ses activités sont différentes. Et honnêtement, je n'ai jamais vu l'avantage qu'il y aurait eu à ajouter le ciment aux activités de Saint-Gobain. Et il m'a paru beaucoup plus logique d'être, de devenir un leader mondial du ciment que de devenir un fourre-tout français des matériaux. Donc vous évoquez la nationalité de l'entreprise, c'était surtout ça qui a été mis en avant avec Saint-Gobain, c'était de marier deux Français pour ne surtout pas aller vers l'étranger. Est-ce que ça a du sens ? Non, n'exagérons pas, Saint-Gobain était également à l'étranger. Mais il était clair que la logique de Saint-Gobain, quand ils ont racheté Poliette, par exemple, la société de distribution, c'était une logique se renforcer en France. Le métier de la distribution n'est pas un métier mondialisé. C'est un métier national. Alors, ils sont dans quelques autres pays. Mais nous, à l'époque, on a refusé de fusionner, d'envisager une fusion au Saint-Gobain. Et ça a été suggéré plusieurs fois. Beaucoup de banquiers sont venus nous voir en nous disant, mais voyons. C'était qu'on voulait simplifier. Déjà, nous avions à un certain moment d'autres gammes de matériaux. Et l'expérience a montré que... Et moi, j'aimais bien les matériaux spécialités, par exemple. C'était moi qui les avais développés dans le groupe. Mais à un certain moment, il fallait simplifier, rester sur ciment, béton, granulat, et être vraiment les leaders mondiaux, ciment, béton, granulat. Et ça nous occupait tellement qu'on ne voyait pas vraiment l'intérêt de faire autre chose. D'accord. Donc finalement, dans le choix d'une fusion, il y a peut-être un choix qui repose plus sur un facteur subjectif. Vous avez parlé du fait que vous ne voyez pas très bien ce que faisait Saint-Gobain et quel était l'intérêt de fusionner avec eux. Du coup, est-ce qu'il ne faut pas, pour une fusion, privilégier une relation interpersonnelle entre deux PDG ou il faut privilégier davantage des objectifs purement économiques ?
Ben, écoutez, c'est pas parce que Jean-Louis Beffa était un copain qu'il fallait que je fusionne avec Saint-Gobain. Et c'est pas d'ailleurs parce que c'était un copain, il fallait pas que je fusionne avec Saint-Gobain. Honnêtement, on fait pas du business. Alors, attendez, les relations personnelles sont importantes. Quand vous allez acheter, j'ai acheté une affaire en Espagne, bon ben j'ai pu négocier ça correctement parce que j'étais très ami avec le patron espagnol. Mais l'origine du deal était stratégique. Les relations personnelles sont un facteur facilitant. C'est un facteur qui peut faire apparaître, vous savez, il y a les hasards de la vie, de temps en temps, il y a une idée qui peut apparaître parce que vous avez une relation personnelle. Mais l'analyse, vous ne décidez pas l'avenir d'un groupe sur le fait que vous aimez bien monsieur Untel ou vous n'aimez pas monsieur Untel. Surtout que 10 ans plus tard, il n'est plus là, le monsieur Untel. Et vous n'êtes plus là, donc ce n'est pas le problème. Et justement, 10 ans plus tard, comment on peut évaluer si la fusion s'est bien passée ou mal passée pour vous? Quels seront les indicateurs à observer dans les prochaines essais sur la Fargeol-Sim pour, Ah bah oui, bah, comme des indicateurs de toute fusion, on verra. Vous savez, j'ai vu des profs de business school qui faisaient des études sur le succès d'une fusion en regardant le cours de bourse 15 jours après l'annonce de la fusion. Et en additionnant les capitalisations boursières, et alors, comme les marchés sont parfaits, les marchés savaient quelle valeur serait créée par la fusion. Donc, ils disaient, vous voyez, telle fusion est un... Bon, alors, c'est une plaisanterie, et je sais, il n'y a certainement pas de professeur de ce style-là à l'ESSEC, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, dans 5 ans, 5 ans, 10 ans c'est long, mais dans 5 ans, ben, on verra si cette entreprise, d'abord, a réussi, sur le plan économique, sur le plan d'avoir confirmé son leadership mondial, et ensuite, si elle l'a fait dans un style de management qui est resté conforme aux valeurs qui me paraissent essentielles pour un groupe industriel. Moi, c'est les deux critères, et que finalement, la fusion des équipes et l'harmonisation des cultures et l'harmonisation des objectifs s'est faite bien, mais dans un certain type de valeur qui me paraît important. Et vous êtes toujours convaincu aujourd'hui que donc, la fusion entre Lafarge et Holcim permettra de générer les 1,4 milliards promis par... Bon, ça, les synergies, les actionnaires sont évidemment totalement polarisés sur les synergies. Et si le CEO était là, comme je suis administrateur, je dirais attention, les synergies. Mais soyons honnêtes, sur la durée, sur les 25 ans, qu'il fasse un 4, qu'il fasse un 6 ou qu'il fasse un 2, tout le monde s'en fout. Enfin non, tout le monde s'en foutra dans 20 ans. Et donc là, le fait que l'action aujourd'hui de la Fargeol-Sim vaut 33 euros, ça fait que le groupe est valorisé à 20 milliards d'euros, c'est-à-dire éléments qui ont fusionné. Comme le marché est parfait, ça veut dire qu'on ne va pas gagner d'argent pendant les 30 prochaines années. Ça veut dire que vous avez détruit un des deux groupes? Mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais attendez. Nous sommes dans une industrie qui est cyclique. Il faut bien voir que, par exemple, le marché français du ciment, je suis rentré chez Lafarge en 75. En 74, il était à 32 millions de tonnes. En 84, il était à 24. Ensuite, il est remonté. Ensuite, il est descendu à 18. Ensuite, il est remonté à 22. Là, maintenant, il est à 17. Bon, il est probable que le marché d'équilibre, dans quelques années, c'est 21. Mais actuellement, on est à 50% d'utilisation des capacités en France. Bon, pourquoi? Parce que Madame Duflo a démoli pour 10 ans le logement. Et je vois qu'on a la bonne idée de renommer une nouvelle ministre du logement qui dit que la loi Allure, c'est très bien. Bon, non, mais c'est assez dramatique. Il n'y a pas d'industrie qui a été massacrée par une seule décision. Si vous voulez, le contrôle des loyers, le fait que le contrôle des loyers tue la construction de logements, on le sait depuis 1919. C'est ce qu'on a fait après la guerre de 14. Après la guerre de 14, les loyers avaient monté, on a bloqué les loyers. Pendant 20 ans, il n'y a plus eu de construction de logements. Bon, et après, il y a eu pénurie de logements, évidemment.
Bon, et c'est même cause, même effet. Enfin, peu importe. Donc, je vous disais, on est cyclique. Moi, j'ai connu. Alors, donc, en fait, c'est vrai qu'actuellement, le groupe, ses résultats et son activité, bon, c'est moyen, c'est pas extraordinaire parce que on n'est pas dans la situation de croissance mondiale où on croyait être il y a un an ou il y a deux ans. Puis qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de pays qui vont pas très bien. Le Brésil va pas très bien. L'Inde, qui devrait être un marché extraordinaire, avec un Premier ministre Modi qui arrive avec la volonté de faire l'infrastructure. La situation en Chine, elle est inquiétante. Pour y arriver. Bon, l'Indonésie, etc. Donc, bon, alors, mais, alors, ça c'est la base. Le marché financier renforce tout ça, parce que vous avez bien vu les gyrations du marché financier. Et en plus, comme il avait beaucoup attendu de la fusion et que la fusion, ben, ça se fait, et puis qu'il y a eu les petits incidents dont on a parlé, donc il exagère. Mais moi, vous savez, j'ai été président 15 ans. Le cours de bourse, je l'ai vu osciller entre 30 et 110, puis 40 et 125. Et quand même, je crois que Lafarge est une belle réussite, avant la fusion Holcim. Et Lafarge Holcim, je suis persuadé, sera une belle réussite malgré le cours de bourse actuel. Parce que je ne pense pas que les marchés sont parfaits. Et parce que je ne crois pas que les marchés soient la meilleure synthèse de toute l'information connue sur l'avenir. Parce que je pense que quand on dit qu'en Inde, ils consomment 125 kilos de ciment par habitant, et que nous avons en Inde une position importante, etc., bon, bah, c'est plus important que l'évolution du cours de bourse d'hier. Donc on a parlé beaucoup d'objectifs financiers. Lafarge Holcim s'est aussi fixé un objectif en matière d'environnement. Et cet objectif, il est d'une réduction de 33% des émissions liées à la production de ciment d'ici 2020. Est-ce que ça vous semble réaliste? Et si oui, comment on tient une telle promesse? Bah écoutez, je constate que depuis 92, enfin depuis la période où après la conférence de Rio, j'ai fixé des objectifs de réduction d'émissions de CO2 au groupe, ces objectifs ont toujours été tenus. Alors, moi, je les ai fixés pour je ne sais plus quand, c'était 2000 sans doute, ou... Bon, un mot quand même, parce que je suis un peu dinosaure quand je dis ça, mais il se trouve qu'en 92, j'étais à Rio. J'étais président, je vais faire encore plus dinosaure, parce que j'étais président de la commission d'environnement du plan. Pensez, il y avait un plan en France à l'époque. Et à cause de ça, j'étais à Rio. J'ai découvert à Rio qu'il y avait un problème, que la teneur en CO2 de l'atmosphère avait augmenté de plus de 60%. Qu'on ne savait pas très bien quels étaient les effets, que des gens disaient qu'il y avait un réchauffement climatique, il y aurait un réchauffement climatique, mais personne n'en était sûr, etc. Bon, moi je me suis dit, c'est quand même pas très normal cette histoire de CO2. Ça ne doit pas être très bien. Et puis, puisque réduire les émissions de CO2, ça consiste à réduire de l'énergie, les dépenses d'énergie, comme votre consoeur le disait tout à l'heure, à juste titre, ça ne peut pas faire de mal. Donc, on s'est fixé des objectifs. On les a atteints. Et puis après, j'ai fixé encore d'autres objectifs. Et puis après, moi, je suis parti. Et entre-temps, on avait absorbé Blue Circle. Ça a été un peu plus difficile. Alors, il y a des conseillers qui ont été voir mon successeur et qui lui ont dit, écoutez, votre prédécesseur, il avait fixé des objectifs, etc., mais on va vraiment avoir un peu de mal à les atteindre. Alors, on vous conseille de laisser tomber discrètement. Et mon successeur a dit, pas du tout. C'est absolument essentiel pour un groupe comme le nôtre de jouer son rôle dans la réduction des émissions de CO2. On va tenir ces objectifs. Ils les ont tenus et il a fixé de nouveaux objectifs. Et ainsi de suite. Donc je ne pense pas que les objectifs actuels ne seront pas tenus. Alors vous allez peut-être me demander comment on fait, mais ça c'est une autre question. Mais justement, est-ce que le groupe profite des fluctuations de la production de ciment et de béton pour dire qu'il y a une réduction des gaz à effet de serre? Non. Nous sommes toujours fixés, nous, en interne, des objectifs à la tonne de ciment produite. Parce que c'est une plaisanterie. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup reproché à la Commission européenne d'avoir des systèmes de droits d'émission en valeur absolue. Parce qu'effectivement,
nous avions peur à l'époque que s'il y avait trop de croissance, le prix du CO2 devienne infini. C'est arrivé pour le NOx en Californie dans les années, je ne sais plus combien, 2000, où le prix des droits de NOx est devenu 10 000 dollars la tonne. Bon, c'est idiot. Il faut intégrer l'aspect volume et l'aspect conjoncture économique. Donc, les réductions en question sont des vraies réductions. Alors, comment on les fait? On les fait parce que, à la fois, on a complètement changé la composition de notre produit. Vous avez l'impression que c'est le même produit, mais ce n'est pas du tout le même produit. C'est un produit où la composante énergivore, qui est le calcaire cuit dans un four, il y en a beaucoup moins. Et il y a beaucoup d'autres choses, d'autres ajouts, qui sont soit des ajouts peu énergétiques, soit des sous-produits, etc. Et ça donne un produit qui est aussi bon et même meilleur qu'avant. Qu'ensuite, on travaille sur la façon dont, dans le béton, on peut faire des meilleurs bétons avec moins de ciment, mais du ciment plus performant. Et puis, on a d'autres sujets avec des nouvelles technologies utilisant les mêmes fours, mais ou qui peuvent encore faire gagner en partant de pas de la même composition du cru, moins de calcaire, plus d'alumine, etc. Enfin, il y a plein de choses, y compris des trucs un peu plus farfelus, mais dans lesquels on a pris quelques intérêts qui sont des systèmes qui peuvent absorber le CO2 et refaire du... Parce que finalement, on refait de la pierre en remettant le CO2 dedans. Bon, il y a toutes sortes de choses, depuis des choses relativement classiques jusqu'à des choses beaucoup plus high-tech, qui permettent de réduire, et on peut réduire. Et est-ce qu'au niveau de la dimension managériale de l'entreprise, on peut intégrer des objectifs environnementaux comme on intègre des objectifs financiers? Par exemple, à un acheteur, on va lui dire d'atteindre tel objectif financier. Est-ce qu'on va aussi lui dire atteins également un objectif environnemental et tu seras même récompensé peut-être sur ton bonus? Bien sûr, et entre nous, c'est beaucoup plus excitant pour un ingénieur d'atteindre un objectif environnemental que d'atteindre un objectif financier. Et puis c'est beaucoup plus gratifiant pour les gens autour de l'usine. Moi, j'ai toujours été très frappé du fait que quand on parlait environnement ou plus largement responsabilité sociale de l'entreprise aux jeunes qui venaient d'être embauchés dans l'entreprise, c'était un truc qui les motivait profondément. Parce que, soyons honnêtes, je ne pense pas que vous allez aller dans l'entreprise uniquement pour gagner de l'argent. Je pense que vous allez aller dans l'entreprise, bien sûr, pour gagner de l'argent, pour gagner votre vie, pour avoir une vie familiale, mais aussi pour être fier de ce que vous faites dans l'entreprise. Et vous ne pouvez pas être fier de ce que vous faites dans l'entreprise si quand vous rentrez chez vous ou quand vous rencontrez vos voisins, ils vous disent « vous êtes une entreprise dégueulasse et vous nous pourrissez la vie ». Alors, votre consoeur tout à l'heure a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal, c'est qu'on a utilisé le béton de façon épouvantable. Et que ça, c'est une douleur. Mais le béton, on en fait ce qu'on veut, on pourrait y revenir si vous voulez. Et justement, est-ce que vous pensez que les dirigeants sont comme vous convaincus qu'il faut apporter une solution innovante pour lutter contre le réchauffement climatique? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un excès de communication par rapport à ça, notamment avec la COP21? Écoutez, moi je vais vous dire mon expérience concrète et personnelle. J'ai été donc président du World Business Council for Sustainable Development, en 2004-2005, c'était à peu près, je crois qu'il y avait 180 entreprises, des grandes entreprises mondiales de tous les pays. On avait calculé que tous les jours, il y avait 4 milliards de personnes sur la planète qui achetaient un produit d'une des entreprises. Donc c'était pas rien. Bon, ces entreprises, nous avions tous les ans une réunion des CEO, des patrons. Eh bien, on arrivait à avoir la moitié des patrons qui venaient. Alors, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, la moitié, mais je peux vous dire que dans une réunion de chefs d'entreprise de cette taille, réussir à avoir la moitié qui viennent personnellement, ils n'avaient pas le droit de se faire représenter. Et qui viennent personnellement, ben, c'était extraordinaire. Et ces gens-là, ils passaient une journée entière, voire deux jours dans certains cas, à discuter des questions de développement durable et... Eh bien, je peux vous dire que quand on a l'emploi du temps d'un chef d'entreprise, on vit, et c'était des réunions privées, il n'y avait pas de journaliste. Il n'y avait pas de communication, rien. Ah non, il n'y avait rien, il n'y avait pas de communication. Eh bien, on ne vient pas passer deux jours sur quelque chose auquel on ne croit pas, qu'on ne croit pas important.
Alors qu'en même temps, il y ait des gens qui essayent de surfer sur la vague en faisant que de la com, bien sûr. Mais you can fool some of the people some of the time, but not all the people some of the time, etc. But not all the people all the time. Honnêtement, je crois que c'est beaucoup plus que... Alors, il y en a même qui deviennent responsabilité sociale. Là, je déborde un peu par rapport à l'environnement, pour de mauvaises raisons. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ils y croient. C'est-à-dire que, par exemple, le président de Walmart a fait une note à ses collaborateurs, c'était un papier, donc je l'ai vu, qui dit, écoutez, on ne peut pas être l'entreprise la plus haïe des États-Unis. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ben, on va faire de l'environnement et du développement durable. Alors, est-ce qu'il y croyait, est-ce qu'il n'y croyait pas, je ne sais pas. Mais il avait décidé que... ce n'était pas de la com, c'était l'image, mais l'image vue comme un facteur de succès de l'entreprise. Donc c'est un peu différent, si vous voulez, de simplement se faire mousser. C'est le vrai métier de la communication. Même dans le cas de Walmart, c'était parce qu'il pensait que c'était vital pour l'entreprise. Et est-ce que pour un groupe comme Lafarge-Holcim, qui est donc en tant qu'acteur du BTP en relation avec, on l'imagine, des pouvoirs publics, la RSE peut aussi être un moyen d'obtenir un contrat ou des bonnes places dans les appels d'offres publics, parce que, par exemple, vous avez fait beaucoup d'actions dans des pays en voie de développement, donc le gouvernement peut renvoyer l'ascenseur sur un contrat. Oui, alors je dirais d'abord que ce qui est intéressant, c'est que Holcim, on était concurrents, et même à une certaine époque très concurrents, et Holcim a eu finalement la même orientation en termes de développement durable et environnement. Et d'ailleurs, on avait créé une initiative cimentière mondiale dans le cadre du WCSD, où on avait été les leaders, mais Holcim était tout à fait avec nous. Alors, répondre précisément à votre question, nous n'avons pas... en général, pas de contrat avec l'État. Les gens qui passent des contrats avec l'État ou avec les collectivités locales, ce sont les entreprises qui construisent. Vous construisez un stade, vous construisez un pont, etc. Vous avez un contrat avec l'État. Nous, nous vendons des matériaux à ces entreprises. Donc nous n'avons pas besoin de séduire les gens du gouvernement. Et d'ailleurs, entre nous, à cause de ça, nous sommes moins exposés au risque de corruption. Mais si j'élargis votre question, bien sûr, faire de la responsabilité sociale ou être responsable en termes d'environnement, c'est une façon de se faire apprécier dans son environnement, dans un autre pays, par les gens. Par le gouvernement, oui, mais par tout le monde. Et si vous voulez, l'idée qu'on puisse réussir en étant haï par tout le monde, même Walmart, à un moment, ils se sont dit « c'est pas possible ». Donc, c'est vrai qu'il faut être accepté. En particulier, quand vous êtes une entreprise d'un pays occidental, d'un pays développé, une entreprise française qui va dans un pays émergent, il vaut mieux que les gens ne vous considèrent pas comme des exploiteurs du peuple et des sauvages. Vous serez quand même mieux traité par tout le monde si on reconnaît que vous êtes des gens responsables. Donc oui, bien sûr, ça, c'est important. Oui, pour l'investissement, non, pas. Ah oui, ça, c'est les... Ça, c'est les 17. C'est lesquels, ceux-là ? C'est les Coréens, non ? Je crois que c'était les Marocains. Ah, c'est des Marocains, ceux-là ? Non, parce qu'on avait eu un moment, des Coréens qui étaient venus à Paris. Mais manifestement, ça ne se passe pas à Paris. Et qui étaient venus avec des pancartes de ce genre en face du bureau. C'était très gênant. Mais bon. Et ce n'étaient pas des ouvriers de Lafarge. C'était des ouvriers d'un sous-traitant de sous-traitant et qui demandaient qui avaient été licenciés par leur sous-traitant, qui demandaient à être embauchés. Nous, on leur avait proposé d'être embauchés par un autre, mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient être embauchés par eux-mêmes. Enfin bon, ça avait été une histoire coquinolesque. Et ils avaient été pendant une quinzaine de jours devant la rue des Bellefeuilles avec des... Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, dans une entreprise de... À l'époque, 70 000 personnes et maintenant 90 000 personnes, vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait... je ne vous dis pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En France, je vous ai parlé de cette... non, je ne vous ai pas parlé de cette évolution des marchés.
Bon, nous avons fermé une usine, petite usine, qui s'appelle Frangin, qui était dans Lyon. Et ben, on a eu des gains en grève de la faim. Le maire de Lyon a décidé que... Le maire du village en question, de Frangin, a décidé que c'était un truc épouvantable. Bon, c'était une usine qui avait 250 types, il n'y avait plus de marché pour cette usine. Elle était en trop, il fallait la fermer. On proposait des reclassements à tout le monde. Et là, non, le gars, l'usine. Et les gars ont été en grève de la faim pendant un certain temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Malheureusement, on ne peut pas... en général, quand même, les relations sociales dans l'entreprise sont relativement bonnes, mais on ne peut pas éviter qu'il y ait de temps en temps des crispations. Alors, pour justement se détendre un peu, on vous propose notre traditionnel petit jeu des mardis. Et donc aujourd'hui, on est parti de cette idée que vous aimez beaucoup le béton. Il paraît même que vous avez eu un bureau en béton. C'est vrai. Et donc on a appelé ce petit jeu « Beau ou pas beau ?» Et on va vous présenter quelques œuvres de béton pour voir un peu ce que vous en pensez. La première, c'est la tour Pyongyang, donc en Corée. Bah ça c'est beau quand même, ça, c'est non beau. Vous ne trouvez pas ? Enfin, c'est un peu un suppositoire, mais enfin... c'est mieux que la Staline Alley. Alors, la tour éléphant. Ça, c'est en Thaïlande. C'est en Thaïlande, oui, je reconnais bien. Qui aime beaucoup les éléphants au point d'en avoir fait une tour. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, on voit évidemment la tête de l'éléphant. Ouais. Je me pose des questions là-dessus. Enfin, bon. Ça, ce serait plutôt pas beau, alors. Ouais. Que pensez-vous de l'église Saint-Joseph ? Ah. Alors, ça, c'est le problème des. C'est un truc du 19e siècle, ça, non ? Non, du 20e. Comment ? Du 20e. Du 20e ? Je crois oui, du début du 20e. Non ? Je pense qu'elle a été finie dans les années 50. Ah, d'accord, les années 50. Oui, bon, c'est... je sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est... L'architecture des années 50 n'était pas belle. Donc rien à voir avec le béton ? Non, parce que les bâtiments... Alors, bon, soyons honnêtes, peut-être parce que les architectes ne l'avaient pas maîtrisé. Et qu'on leur avait peut-être pas donné la possibilité de faire avec le béton tout ce qu'on peut faire maintenant. Mais est-ce que vous allez me montrer le MUSEM ? Ah non, il n'est pas dans la liste. Vous n'allez pas me montrer le MUSEM. Bah, mais on a une autre œuvre marseillaise. Allez voir le MUSEM à Marseille, le musée de la Méditerranée, etc. C'est extraordinaire. Les gens vont voir le musée pour voir le bâtiment, pas pour voir le contenu. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Il paraît qu'il y a des choses pas mal. Un peu comme la Fondation Louis Vuitton. Il y a une résine en béton. Alors, le MUSEM, c'est le ductal, c'est-à-dire c'est un matériau que nous avons développé au départ avec Bouygues, et qu'ensuite on a continué à développer tout seul, et qui est un béton qui est extrêmement résistant. C'est un béton qui a des fibres, soit des fibres plastiques, soit des fibres métalliques, et qui a une résistance à la traction. C'est-à-dire, le béton normalement résiste à la compression, mais pas à la traction. C'est-à-dire, vous prenez une poutre en béton, vous la pliez, elle n'est pas très solide. Alors ça, c'est du béton au contraire très solide, donc ça vous permet, à la traction, comme le métal, et donc ça vous permet d'avoir des poutres très longues et très fines. Et c'est ça l'avantage du ductal, on fait des choses extraordinaires. Alors ça, bah, on a rajouté la couleur, manifestement, après coup, non ? Oui, sans doute. Plus récent. Ben ça, c'est effectivement l'architecture. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que c'est de la faute du béton ? Je ne sais pas. En pierre, si on les faisait comme ça, ça ne serait pas beaucoup plus beau. La seule chose, c'est quand on faisait des immeubles haussmanniens en pierre, ben on ne les faisait pas aussi monotones que ça. Le problème du béton, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui pensent que comme on fait ça en coffrage, on peut faire ça de façon monotone et sans aucune... Bon. Si les maisons des boulevards haussmanniens, c'était de la pierre sans aucune décoration, aucune frise, etc., ce ne serait pas très beau non plus. Et une dernière réalisation de béton, c'est alors notre vous remarquez préfecture. Celle-là, elle vous a beaucoup de verre. En arrivant. Elle a beaucoup de verre. Et moi, je suis assez pour l'alliance du béton et des autres matériaux. Je n'ai pas j'ai pas l'obsession qu'on voit le béton. Le béton, du beau béton, quand on le voit, c'est très beau.
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de beau béton. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises font du béton qui n'est pas beau. Et le beau béton, ça demande de l'entretien, comme la pierre d'ailleurs. Malraux, il a décidé de ravaler les immeubles parisiens. Combien de fois on ravale des immeubles en béton qui datent de 50 ans ? On ne les ravale pas. Alors évidemment, ils sont dégueulasses. Regarde, allez à Brasilia, les magnifiques monuments en béton qui n'ont jamais été nettoyés dans un climat humide où il y a de la mousse, etc., ça devient dégueulasse. Mais vous les auriez en pierre, ce serait la même chose. Alors j'aime bien, donc, par contre le béton a quand même, si vous voulez, les gratte-ciel du 11 septembre, s'ils avaient eu une âme en béton, ils ne seraient pas effondrés comme ils se sont effondrés. Et là, bah, on joue sur le béton et le verre. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va reprendre le fil de notre discussion en parlant du coup du bilan de la COP21 qui vient de s'achever sur un accord dit historique. Et on voulait savoir, aujourd'hui, il semble qu'il y ait un consensus sur ces questions-là. Tout le monde le partage. Et l'idée qu'il faut sortir du pétrole, qu'il faut imaginer la transition énergétique. Et c'était relativement facile quand on avait un pétrole au-dessus de 100 dollars. Aujourd'hui, le pétrole est beaucoup plus bas. Et est-ce qu'il faut compter uniquement sur ce genre de conférences et sur la bonne volonté des politiques pour imaginer le futur ? Ben, écoutez, je ne sais pas s'il faut compter sur ces conférences et la bonne volonté politique, mais je ne sais pas sur quoi d'autre on peut compter. Le problème, c'est qu'on a un monde qui est à la fois globalisé, mais complexe, compliqué. Et quand vous dites tout le monde est à peu près d'accord, c'est à peu près, parce que vous avez quand même encore une grande partie des Américains qui sont contre, et un Congrès qui ne veut absolument ratifier aucun accord sur le changement climatique. Et même si Donald Trump n'est pas élu président américain, il y a quand même des chances qu'il y ait encore des résistances. Et de toute façon, les Américains, ils ne croient pas à l'évolution, alors ils ne croient pas au changement climatique. Effectivement, le changement climatique est moins évident que l'évolution. Comme ils ne croient pas à l'évolution, on ne peut pas s'attendre à n'importe quoi. C'est d'ailleurs un phénomène très, très curieux. Enfin, peu importe, on pourra en discuter. Alors, si on est cartésien, et nous sommes cartésiens évidemment, on se dit ben, il y a un monde global, il faut un système global et il faut un bel accord. Et alors le bel accord, c'était Kyoto. Kyoto était l'accord à architecture parfaite. Il y avait alors sauf que Kyoto, c'était un accord où les pays développés avaient des obligations et les pays émergents, bon, ils étaient invités à suivre, mais à l'époque, ils ne représentaient pas un pourcentage des émissions considérable. Bon, Kyoto manque de chance, les Américains ne l'ont pas ratifié. Ensuite, alors, la Commission européenne a continué sur Kyoto, et la Commission européenne continuait à avoir cette idée, il faut un truc complètement bouclé. Alors, il y a des tonnes, on va répartir les tonnes entre les États, etc., ça donnera des droits, et puis tout ça est fixe, quelle que soit la conjoncture économique. Il y aura tant de droits, etc. Enfin bon, ce système a complètement capoté. Mais à Copenhague, la Commission européenne, l'Europe était incapable d'inventer autre chose. L'Europe, de bonne foi, est arrivée à Copenhague en disant « Mais c'est très simple, faites comme nous. Développons au niveau mondial le système européen. » À Copenhague, il n'était pas encore apparent que le système européen était en faillite. Maintenant, c'est apparent. Donc, on était beaucoup plus profil bas à Paris. Alors, on s'est aperçu que un système centralisé, supranational, dans un monde qui n'est pas supranational et où les États gardent leur indépendance, ben, c'est une construction de l'esprit. Alors nous, en tant que cimentiers, on avait des idées, on a toujours des idées. On dit, mais dans le fond, nous, on a, dans notre initiative, dans le cadre du WCSE, on a une quinzaine ou une vingtaine de groupes cimentiers qui doivent représenter 75% ou 80% du ciment mondial. On disait, nous, on sait où on peut faire des économies le mieux. On pourrait faire un accord sectoriel ciment et prendre globalement des engagements de réduire de 20, 30, 40% d'un certain délai.
Et nous, on saura où c'est plus facile et le mieux de le faire. Le problème, c'est qu'avec qui on ferait cet accord ? Il n'y a personne au téléphone. Monsieur Kissinger disait qu'il n'avait pas de numéro de téléphone de l'Europe, mais nous, on n'a pas le numéro de téléphone de l'environnement mondial. Chirac voulait une agence d'environnement mondial, c'est une bonne chose qu'il... Ça n'a jamais été fait. Bon. Donc, la COP21, c'est quoi ? C'est constater que, dans l'ensemble, les pays disent qu'ils veulent faire des choses, qu'ils vont le faire d'une façon qui sera un peu coordonnée. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce mouvement a produit des progrès. Alors, ce n'est pas des progrès foudroyants, ça dépend des endroits. Les Chinois annoncent des trucs et puis on n'est pas sûr qu'ils vont le faire parce que le 15e plan chinois, il est formidable, mais on s'aperçoit que sur les réductions de pollution, le gouvernement central chinois n'arrive pas à obtenir des gouvernements locaux qui mettent en danger leurs usines en faisant des réductions de pollution. Donc tout ça n'est pas, absolument bouclé, mais c'est certainement le mieux qu'on puisse faire. Et quand on regarde, quand on fait la somme de tout ça, on n'est pas sur 2 degrés, mais on est déjà quand même sur des trucs qui ne sont pas idiots, et surtout on a créé une dynamique. Parce que je peux vous dire alors par contre que même dans des pays comme l'Inde ou la Chine, l'Inde prend des positions très restrictives dans ses négociations, mais en Inde, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et alors, les entreprises, elles, se sont nettement mises en route. Elles se sont mises en route, les pionniers se sont mis en route à Rio, mais avant Paris, ça a été beaucoup plus large que ça. Il y a eu un mouvement des entreprises. Et l'avantage des entreprises, c'est quand elles sont en route dans une direction, elles n'ont pas envie de changer de direction toutes les 5 minutes. Les politiques, dès qu'il y a une nouvelle élection, tout est remis en cause. Mais les entreprises, Lafarge le CIM, ne va pas changer de politique tous les 2 ans. C'est pas possible. C'est techniquement pas possible quand on est engagé dans des programmes d'investissement, etc. Alors la faiblesse du système européen, c'est qu'il n'encourageait pas les investissements à moyen terme pour la réduction d'émissions de CO2. Donc je dirais que la question du financement, non pas du financement sous forme donner des compensations aux pays émergents, ce qui est une possibilité, mais du financement des investissements d'économie d'énergie et de transition énergétique. La solution, c'est le marché carbone, par exemple ? Le marché carbone est une des solutions. Ce n'est pas la solution unique. Et mon confrère de l'Académie des sciences morales, Jean Tirol, prix Nobel d'économie, a la réponse classique des économistes. Il faut un prix unique du carbone pour tout le monde, etc. Et le problème est résolu. En théorie, il a raison. Mais en pratique, avec un prix du carbone à 40 dollars à la tonne, ce qui ne serait déjà pas le... Pas tellement le carbone. Non, mais attendez. Est-ce que vous ferez vos travaux de rénovation thermique dans votre maison ? Ben, c'est pas sûr, parce que ça sera peut-être rentable à 20 ans. Mais vous ferez vos travaux d'abord s'il y a une offre. Or, actuellement, il n'y a pas évident de trouver des gens qui vous proposent clé en main un truc de rénovation énergétique avec les travaux, les fenêtres, les machins, les trucs, et puis le financement. Alors qu'il y a plein d'aides, hein, il y a plein de systèmes d'aide. Mais il n'y a personne qui vient vous proposer une offre clé en main. Et puis vous avez peut-être envie que c'est un payback de 2 ou 3 ans, pas plus. Alors en fait, la... Je connais une petite start-up qui est en train d'essayer de monter une offre de rénovation thermique. Et leur idée, c'est de dire aux gens, vous allez emprunter, vous avez des prêts à taux zéro, etc. Ce que vous rembourserez, ça vous coûtera plus l'énergie que vous dépenserez, vous coûtera pas plus cher que ce que vous dépensiez avant. Donc vous serez à cash zéro et vous aurez augmenté la valeur de votre logement, etc. Le prix de carbone, je ne sais pas où il est là-dedans. Donc le prix du carbone, c'est très bien pour certains marchés. Pour d'autres domaines, il faut des normes, il faut des solutions, il faut des financements, etc. Voilà. Donc finalement, un marché avec un prix fixe pour certains secteurs et un marché avec un prix qui fluctue en fonction de l'offre et la demande pour d'autres secteurs. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a des marchés où ça ne sera pas le prix qui sera l'élément dominant.
Dans un monde idéal, annoncer un prix du carbone sous forme de taxe ou sous forme, finalement, la taxe, on était très contre au début et on était pour les droits, les permis négociables. Mais entre nous, c'est tellement compliqué que finalement, la taxe, c'est peut-être pas complètement idiot. Bon, mais idéalement, si vous annoncez une taxe qui augmente de 5% par an pendant les 20 prochaines années, bon, bah, tout le monde va... Mais en fait, qui croit à la stabilité de ce qu'un gouvernement va faire sur 20 ans? Personne. Donc, c'est une solution théorique. Pourquoi vous envoyez la photo de ce cher monsieur là? Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Mais j'aimerais aborder un point justement qui a un petit rapport avec lui, puisqu'il a annoncé jeudi dernier un référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse abandonner ce genre de projet de développement pour des questions environnementales? Est-ce que ce sera ça l'avenir de limiter le développement parce que la planète ne peut pas se le permettre? Si vous voulez, moi je suis d'abord un ingénieur, donc je considère qu'il y a une certaine rationalité dans les décisions. Donc a priori, il y a une évaluation des dommages environnementaux, des avantages économiques, etc. Alors ça, c'est la théorie. Puis la pratique, bah, nous avons beaucoup de carrières. Ça fait très longtemps que j'ai expliqué à nos cadres de l'activité des granulats que le permis de la carrière, ce n'est pas le préfet qui nous le donne. C'est l'environnement local. Si 15 types déterminés viennent avec la télévision se coucher devant les bulldozers, eh bien, on ne peut pas ouvrir la carrière. Bon, alors ça, c'est au niveau local. D'où la nécessité. Alors, comment on peut faire à ce moment-là? Ben, pour nous, entreprise, la seule solution, si vous voulez ouvrir une carrière, c'est de prendre un maire, le maire de la commune en question, de l'emmener voir une carrière où on a bien travaillé, pour lui montrer qu'une carrière, ce n'est pas la catastrophe. Bon. Alors ça, c'est donc en théorie, il faut arriver à ce que l'environnement local vous accepte. Alors quand on est sur Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même différent. On a des professionnels de l'agitation, des professionnels, des casseurs professionnels qui sont, en même temps, ils peuvent très bien être idéalistes. Hein. C'est des types qui vivent dans un autre monde. Ils pensent que leur mission, c'est d'empêcher soit le barrage de je ne sais plus où, là, dans la... Sivens. Ouais. Soit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, moi, je n'ai pas d'avis sur le fond, mais il y a quand même suffisamment de gens qui ont regardé le sujet et qui ont décidé qu'effectivement, il fallait un aéroport à cet endroit-là. Bon, alors, permettre à un certain nombre d'illuminés ou de zozos d'empêcher les processus de concertation, etc. Si vous voulez, on a dans un monde bizarre, on demande plus de démocratie participative. Et puis, alors par exemple, il devait y avoir une concertation sur, attendez, c'était pas les OGM, c'était un autre, la nanotechnologie. On ouvre un grand débat national sur les nanotechnologies. Et les gens opposés aux nanotechnologies, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les réunions de concertation de se tenir. Donc le vote, c'est peut-être la meilleure solution, finalement, ça va trancher le problème. Non, mais donc alors, soit c'est la pagaille, soit on est dans la chienlit ou dénoncé par le général de Gaulle, où finalement c'est celui qui crie le plus fort et qui casse le plus qui triomphe, soit on est dans un état de droit organisé, où il faut écouter les gens. Alors, je ne dis pas que le code minier, je ne dis pas que les ingénieurs des mines, dans la pratique que j'ai eue autrefois, écoutaient suffisamment les gens. L'administration avait l'impression qu'elle avait la science infuse et que tous les gens qui râlaient étaient des analphabètes ou des primitifs qui n'avaient rien compris. Ça a beaucoup évolué. On a quand même des... Alors après, quant à dire qu'on fait un référendum, ça ne veut rien dire, parce qu'un référendum des gens qui sont dans... des gens à qui on a pris leur terrain, un référendum des gens à 50 km qui ont les nuisances, ou un référendum des gens à 300 km ou à 500 km qui vont prendre cet aéroport et qui en auront les avantages. C'est de la plaisanterie.
Est-ce que vous pensez que c'est un problème spécifiquement français ou tous les pays développés ou européens sont confrontés ? C'est pas un problème spécifiquement français, c'est un problème général partout. Le fait que tout grands investissements, l'histoire du pipeline canadien est quand même assez extraordinaire. On a du pétrole. Alors, oublions le jugement de valeur qu'on peut avoir sur le fait de savoir s'il faut exploiter ce pétrole ou pas. À partir du moment où on l'exploite, il faut faire passer un pipe. Bon ben, la solution, il y a une solution qui est de le raccorder au pipe américain. Alors là, il y a les écolos américains qui râlent. L'autre solution, c'est d'aller au Pacifique. Drame. On passe sur les terrains des populations indigènes, indiennes, indigènes, indiennes, canadiennes, qui ne veulent pas. Je ne sais pas si on les a payés suffisamment pour qu'elles ne veulent pas, parce que généralement, tout ça, ça se négocie quand même. Bon. Alors du coup, on en est à vouloir emmener ce pétrole sur la côte est canadienne, d'Alberta, de Calgary. Bon, alors si le prix du pétrole est suffisamment bas, on ne l'exploitera pas, donc le problème ne se posera pas finalement. Mais on est quand même dans un monde où, bon, moi je suis pour respecter les droits des uns et des autres, mais il faut aussi qu'il y ait un mélange de rationalité et de respect et de concertation. Ce qui me choque surtout, c'est les gens qui disent je vais saboter la concertation. Le fait que le grand débat national sur les nanotechnologies n'ait pas pu avoir lieu, donc personne ne sait si les nanotechnologies sont vraiment un risque ou pas un risque. C'est totalement idéologique. Personne, on n'a pas pu discuter. Il y avait des débats prévus dans plusieurs villes de France qui ont été sabotés. Mais attendez, je ne vais peut-être pas m'arrêter là parce que je donne l'impression d'être trop pessimiste. En fait, malgré ça, bon, quand on est une entreprise, d'où l'importance de créer un climat de confiance. Si quand Lafarge dit quelque chose, les gens pensent que c'est vrai, on peut parler. S'ils pensent que nous mentons systématiquement, c'est embêtant. Et ça, ça se construit pas au moment où il y a un problème. Ça se construit dans la durée. Donc il faut privilégier une certaine éthique dans tout ce qui est le dialogue social. Effectivement, pour revenir à cette éthique, vous êtes, donc outre vos solides convictions environnementales, vous êtes également un PDG remarqué par vos convictions religieuses fortes. Est-ce que ces convictions religieuses ont eu un poids important pour vos choix professionnels ? Écoutez, je suis chrétien, je ne cherche pas à le nier, et étant chrétien, j'ai un certain nombre de valeurs qui sont d'ailleurs des valeurs en harmonie avec Lafarge. Lafarge est une société qui a été créée par une famille très catholique d'Ardèche, et ces valeurs chrétiennes se sont perpétuées dans l'entreprise. Mais on le ressent encore aujourd'hui si on travaille chez Lafarge. On a... Non, mais attendez, mais maintenant chez Lafarge, nous avons plus de musulmans que de chrétiens. Hein. Et on a évidemment beaucoup de bouddhistes. Donc en fait, depuis déjà un certain temps, moi je n'ai jamais considéré que je devais afficher dans l'entreprise le fait que j'étais chrétien. Par contre, les valeurs qui sont des valeurs d'origine chrétienne, mais qui sont des valeurs universelles, là, on les affiche. Et ce qui est sympathique, mais ce qui n'est pas surprenant quand on est chrétien, ça ne vous surprend pas quand on est chrétien, mais ces valeurs, vous alliez ailleurs, dans un pays, vous allez en Chine, finalement, et même dans les pays musulmans, ces valeurs sont respectées. Donc, oui, le fait d'être chrétien, évidemment, a de l'influence sur la façon dont je vois les choses. Mais je ne me suis jamais affiché comme chrétien, et notamment, je n'ai jamais adhéré aux dirigeants chrétiens. Je n'ai jamais été un dirigeant chrétien en titre. Parce que je pense, même s'ils m'ont invité de temps en temps à parler à certains de leurs congrès, parce que je pense qu'un patron de groupe international, un patron, c'est un homme qui rassemble. Or, déjà à l'époque, je me rendais bien compte que la religion, malheureusement, à certains moments, peut diviser. Alors c'est dommage, et quand on creuse,
On peut trouver des choses qui rassemblent dans toutes les religions, mais ce n'est pas la peine de diviser. Donc, mais nous avons des usines où il y a des oratoires bouddhiques. Nous avons évidemment... Ce qui m'ennuie d'ailleurs le plus, c'est que quand on parle de religion dans l'entreprise, on en parle beaucoup plus en termes de contraintes qu'en termes d'inspiration. On en parle en termes de contraintes. Ben, il ne faut pas travailler le dimanche ou faut arrêter pour faire la prière. Ou voilà, il ne faut pas travailler le samedi. Quand on... bon. Mais moi, j'aimerais que des musulmans me disent bah, écoutez, nous, on aimerait que dans l'entreprise, telle et telle valeur, plutôt que l'aspect purement rituel, qui est respectable. Et donc, il faut respecter, avec la difficulté en France de savoir si on respecte dans l'entreprise les rites de plusieurs religions à la fois. Bon, ça, c'est un problème difficile. On n'a jamais eu de gros problèmes, nous, donc j'ai jamais eu à vraiment réfléchir sur la façon de traiter les problèmes de la religion dans l'entreprise. Les grands patrons s'expriment assez rarement de cette manière sur leurs convictions religieuses, politiques. Vous faites un peu exception ce soir. Est-ce que vous regrettez que la société civile délaisse la politique à des professionnels? Est-ce que vous pensez que les patrons devraient plus s'investir? Ben, ça dépend, si vous voulez. La politique politicienne, non. Moi, je ne pense pas que je doive publiquement dire si je préfère M. Sarkozy ou M. Hollande, encore qu'on pourra le deviner aisément, mais encore moins que si je préfère M. Sarkozy à M. Juppé ou M. Fillon. Ça, je pense que ce n'est pas dans le domaine de l'entreprise. Et vous ne présenterez pas la primaire. J'abuserai, si vous voulez, de ma capacité de parole de dire des choses comme ça. Par contre, dire ce que mon expérience du monde et mon expérience de l'économie me montrent sur, par exemple, l'effroyable déclin de la compétitivité française au cours des 10 dernières années, j'ai considéré que c'était de ma responsabilité de le dire. Bon, ça, le problème, c'est que tout le monde s'en fout. J'avais, quand j'étais président de la FEP, j'avais un petit déjeuner avec des journalistes off, tous les mois, et au bout d'un certain temps, il y en a qui m'a dit, mais écoutez, vous comprenez, ça fait 10 ans que vous dites toujours la même chose. J'ai dit, mais oui, mais parce que malheureusement, depuis l'an 2000, vous regardez les courbes, ça fait 10 ans que l'Allemagne est comme ça, et nous sommes comme ça, et comme ça n'a pas changé, bah, et que les raisons sont les mêmes, je dis la même chose. Alors d'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est que la compétitivité s'est un petit peu améliorée. Enfin, l'écart de compétitivité entre la France et l'Allemagne s'est légèrement réduit en 2012 et en 2013 et 2014 avec le CICE et quelques trucs, etc. Donc, alors pourtant, Dieu sait qu'on n'a pas fait grand-chose. Hein. Mais bon, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité. Si on voulait, on pourrait. Pour être mieux écouté, vous avez besoin de participer à ces groupes d'entreprises dont vous parlez, que vous avez été membre fondateur du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Quel est le rôle de cette ONG? Est-ce que c'est un lobby? Comment il intervient? Ben, si vous voulez, moi je pense que le collectif est important pour tout le monde. Donc, Vous constituez en association d'étudiants. Dès que vous rentrez dans les étudiants, les ouvriers se mettent en syndicat, les patrons doivent effectivement participer à la cité et échanger entre les différentes entreprises et faire connaître leur point de vue. D'abord, ces groupes, ils ont deux raisons d'être. L'une, c'est échanger nos expériences et travailler ensemble. Et je vous disais que dans le WSSD, il y avait cet aspect qui était important. C'était important aussi dans le cadre de l'Institut de l'entreprise où les idées de management participatif, etc., enfin, ont été développées dans les années 60-70. Bon. Et puis la deuxième fonction, c'est expliquer à l'opinion publique, au pouvoir public, etc., quels sont les problèmes de l'entreprise pour essayer d'être compris. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui est très mal vu, c'est le lobbying.
Mais qu'est-ce que c'est que le lobbying? C'est expliquer pourquoi on est pour ou pourquoi on est contre une mesure. Alors on est pour ou on est contre une mesure parce qu'elle est pour ou contre vos intérêts. Mais ensuite, les gens à qui on explique ça peuvent juger si vos intérêts sont aussi les intérêts de la société. Le problème du lobbying, c'est qu'il faut qu'il soit fait ouvertement. Les Américains, à la fois, sont meilleurs et pires que nous là-dessus. Ils sont meilleurs dans leur processus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure qui soit prise par surprise. Toute mesure est discutée devant tout le monde, on demande l'avis de tout le monde, etc. Ils sont pires parce qu'au niveau des campagnes électorales, on peut donner n'importe quel argent à n'importe qui, alors là, le Congrès dépend totalement des puissances financières. Mais ce rapport entre les entreprises soit l'État, soit la société civile, on a beaucoup de mal à ce qu'il soit compris parce qu'il est facilement diabolisé. Ou alors on pense que, ou il y a des gens qui pensent que si c'est l'intérêt de l'entreprise, ce n'est pas l'intérêt du pays. Autrefois, on disait, si c'est l'intérêt de General Motors, c'est l'intérêt de les États-Unis. Il y a un certain nombre de gens qui ont des réflexes conditionnés actuellement pour dire l'inverse. En fait, ben non, les entreprises expriment quelque chose, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Mais en tout cas, sur la compétitivité, ils sont aux premières loges. Et puis alors, deuxième élément très important, c'est l'élément international. Les chefs d'entreprise sont ceux qui ont le plus d'expérience internationale concrète. Les hommes politiques n'ont en général pas d'expérience internationale concrète. Ils font des voyages officiels, etc. Bon, et encore, pas tous. La moitié des membres du Congrès américain n'avaient même pas de passeport. Bon, mais avoir cette expérience, alors ça ne veut pas dire que vous savez tout, mais ça veut dire quand même qu'il y a des choses dont vous pouvez témoigner et que voyant votre pays de l'étranger et comparant entre votre pays et l'étranger, vous avez plein d'idées. Et ça, c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à faire passer. Comparer ce qui se passe en France à ce qui se passe au Danemark, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Il y a un refus total. Non, c'est pas la même chose. De toute façon, on ne veut pas être comme les autres. D'accord, donc vous évoquez en fait une dichotomie entre le monde politique et, donc et les entreprises de manière générale. Et vous parliez tout à l'heure de compétitivité. Qu'en est-il au sein de l'Union européenne? Est-ce que la construction de l'Union européenne doit-elle passer donc, par le monde des entreprises ou par une volonté politique? Non, il est clair qu'un projet européen ne peut être qu'un projet politique. À aucun moment, les entreprises n'ont vocation à se substituer au pouvoir politique. Pas plus, d'ailleurs, en matière d'environnement et d'émissions CO2. Ce n'est pas les entreprises. Je dirais même, prenez par exemple, les cimenteries, c'est de la poussière. Bon, ce n'est pas les entreprises qui ont décidé que c'était mal de faire de la poussière. C'est l'environnement qui, à un certain moment, a dit « Non, bah, écoutez, votre poussière, on en a marre ». Donc les choix, ce ne sont pas les choix des entreprises. Les entreprises peuvent anticiper les choix qu'on va faire la collectivité. On aurait pu se dire, effectivement, la poussière, c'est quand même pas génial. Bon, si vous voulez, à une époque où ce n'était pas un problème, ce n'était pas un problème. Puis quand c'est devenu un problème, on a résolu le problème. Donc les choix doivent être politiques, mais nous sommes des observateurs. Nous avons toujours été, j'ai toujours été tout à fait pro-européen. Et je me suis, même au moment du référendum sur Maastricht, nous étions plusieurs chefs d'entreprise à avoir pris position alors publiquement en faveur du oui et écrit aux collaborateurs de l'entreprise, nous estimons qu'il faut voter oui. Je me suis fait engueuler d'ailleurs par des gens de chez Lafarge qui m'ont dit « Mais de quoi tu te mêles? C'est nous qui votons, c'est pas toi ou c'est pas vous. » Bon. Mais on estimait qu'il y avait un enjeu pour l'entreprise et pour les entreprises à la création de cet espace de la zone euro. Alors, l'Europe, malheureusement, c'est une ambition déçue actuellement. Ce n'est pas irrémédiable, je pense qu'on en reparlera. Mais ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que les entreprises voient ce qu'il y a de commun. Moi, j'avais fait en 1992, j'étais à la table ronde des industriels européens, j'avais fait faire une étude sur le management européen, en me disant, est-ce que ça existe?
Et on s'était aperçu que, oui, malgré les différences, à vue de nez, on a l'impression que les Espagnols, les Allemands, les Anglais, totalement différents. Bon, pas du tout. Quand on regardait et qu'on comparait aux Américains ou aux Japonais, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de valeurs communes. Et même les Anglais, les industriels anglais, je ne parle pas des financiers, mais les industriels anglais n'étaient pas tellement différents des industriels continentaux. En fait, nous, nous voyons la communauté européenne. Et moi qui ai vécu aux États-Unis, j'ai vu des États-Unis, je me sentais européen, beaucoup plus que français. Bon, mais on constate que maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens privilégient la petite solidarité. Alors les Catalans, ce n'est même plus l'Espagne, c'est la Catalogne. Bon, alors bientôt, alors les Corses, on sait, mais ça, c'est irrémédiable. Ou congénital, je ne sais pas. Mais bientôt, les Lyonnais vont dire qu'ils sont d'abord Lyonnais. Je suis Lyonnais moi-même. Je me sens quand même français avant d'être Lyonnais. Bon, et je me sens européen, non pas avant d'être français, mais je me sens européen autant que français. Et alors, si on ne retrouve pas ça, c'est-à-dire si on peut pas faire l'Europe contre les Européens, mais en même temps, l'importance des mécanismes est très grande. Ce qu'on a, c'est qu'une Europe des gouvernements, une Europe des nations à 25, ça ne marche pas. Quand il faut être 25 ou même plus, 27 maintenant, non ? 28. 28, excusez-moi, je date hein, quand même, hein, c'est affreux. Une Europe à 28, quand il faut être d'accord à 28 sur tout, ça ne marche pas. On aurait dû faire l'approfondissement des structures européennes avant de faire l'élargissement, de façon à avoir des systèmes qui soient des systèmes semi-fédéraux, mais pas des systèmes de coopération d'État comme on a actuellement. Alors malheureusement, quand on dit ça maintenant, on vous dit que c'est totalement irréaliste. Et c'est vrai que c'est irréaliste à court terme. Et que malheureusement, toute une série d'évolutions vont dans le sens de ce que les gens valorisent d'abord leur solidarité nationale contre les autres, plutôt que leur solidarité européenne avec les autres. J'espère que... il y aura une évolution en sens contraire un de ces jours. Je ne sais pas quel événement extérieur ou intérieur il faudra, mais je ne désespère pas. Donc il fallait cimenter les fondations avant l'élargissement. Oui, exact. Exact. On a construit un édifice qui repose sur des fondations suffisamment solides. D'accord. Alors, avant mais de passer... il n'est pas encore en train de s'écrouler. Mais enfin, il a quelques fissures. On peut encore colmater avec un peu de... avec du béton, on peut colmater les fissures. Très facilement. Tout merci. À fait. Avant de passer aux questions du public, j'aimerais vous poser une dernière question très concrète. Si vous étiez aujourd'hui étudiant à l'ESSEC, en stage de fin d'études ou peut-être dans votre premier emploi, comment on peut s'engager concrètement pour le climat, l'environnement, ces valeurs-là? Je dirais d'abord en choisissant votre entreprise, si vous en avez la possibilité, choisissez une entreprise qui vous paraît avoir dans ce domaine-là des valeurs en accord avec les vôtres et qui les vit vraiment. Mais ça se voit, hein, c'est pas très difficile. Vous pouvez facilement faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors vous n'avez peut-être pas toujours la possibilité de choisir votre entreprise. Enfin quand même. Et puis parce qu'il y a plein d'actions citoyennes, il y a plein d'engagements, il y a plein d'associations, il y a plein de... Je crois que les opportunités de vivre en accord avec ses convictions sont multiples. Et que, il me semble que c'est bien de les avoir d'abord dans la vie professionnelle, mais si jamais par un malheur la vie professionnelle vous apporte des désillusions là-dessus, il y a d'autres façons. Et puis, écoutez, moi j'ai vu des gens venir me rendre visite en m'expliquant, un gars qui m'expliquait qu'il avait créé un cabinet de consultants sur le domaine de l'énergie, mais que leur règle, ça allait être de travailler 75% à titre payant pour des entreprises et 25% à titre gratuit pour des associations dans le même domaine de l'énergie, dans le domaine de leurs compétences. Et que ils embauchaient leurs gars en leur disant « Vous serez payé à 75% du prix de marché. » Parce qu'évidemment, puisque vous travaillerez 25% gratuitement. Et ils me disaient « La bonne nouvelle, c'est qu'on est submergé de demandes. »
de jeunes cadres qui ont envie, de jeunes anciens élèves d'école, qui ont envie de venir chez nous. Donc, alors c'est une des formes, mais c'est pas la seule. Merci Monsieur Collomb pour ce débat. On va désormais passer aux questions du public. On va vous demander, quand on vous donne le micro, de vous lever, de vous présenter et de poser, si possible, une question assez brève. Bonsoir. Je me suis déjà présentée. J'avais juste une question à poser sur Eric Olsen, le nouveau directeur de... Là, je vous entends très mal. Pardon, excusez-moi. Je me suis déjà présentée. Je voulais juste poser une question sur Eric Olsen, le nouveau donc, directeur général de Lafarge Olsim. Je me demandais juste si il s'inscrivait dans cette tradition des grands patrons chrétiens ou s'il y avait une certaine rupture par rapport à cette habitude chez Lafarge. Alors je ne sais pas si c'est le micro ou mes mauvaises oreilles. Pardon. Mais est-ce qu'un Américain est moins dans ses valeurs chrétiennes? Donc, les valeurs chrétiennes que vous évoquiez, est-ce que Eric Olsen marque une rupture vis-à-vis de ça ou est-ce qu'il est en continuité? Ah, mais c'est intéressant, Eric Olsen, parce que c'est un Américain. C'est un Américain qui a travaillé 15 ans dans le groupe et qui est venu après à Paris. Et c'était un financier au départ. Il a été patron opérationnel et on l'a nommé patron des ressources humaines. Pensez bien que si on l'a nommé patron des ressources humaines, c'est parce qu'on pensait que c'était un gars en accord avec les valeurs du groupe. Et alors, pour compléter, parce qu'il a épousé une Canadienne, il a pris la nationalité française. Un Américain qui vient en France et qui prend la nationalité française, c'est assez extraordinaire. Ça voulait dire qu'il se sentait en harmonie avec le groupe, avec... bon, alors, je ne dis pas qu'il y avait peut-être un ultérieur motif. Mais donc, il est effectivement, et moi je suis très content qu'il soit le patron du groupe, parce qu'il est effectivement en accord avec les valeurs qui sont les valeurs de Lafarge. Alors, prenons-y garde. Si vous allez me dire, est-ce qu'il va manager comme vous avez managé? La réponse, c'est non. Parce que forcément, on a les mêmes valeurs, mais on est situé à des périodes, dans un contexte, dans des environnements complètement différents. Donc moi, je n'ai pas managé comme mon prédécesseur, mon successeur n'a pas managé comme moi, et lui, donc. Mais ce qui est important, c'est que l'inspiration et les valeurs sont les mêmes, elles prennent, dans la façon dont on agit, etc., des formes différentes en fonction des différences d'environnement et de moments. Merci. Est-ce qu'on a une deuxième question ? Vous êtes pressé d'aller au cocktail? Non, il y a des questions à droite. Bonsoir, je suis Richard Liu, étudiant en ESSEC Central. Et j'aurais une question pour vous, c'est-à-dire que vous avez parlé de cycle. Et notamment, on sait très bien qu'en ce moment, on ne va pas se le cacher, que Lafarge Olsim ne va pas très bien et que le cours est assez bas. Est-ce que vous pensez que ça va rebondir? Quelle est la stratégie justement de Lafarge Olsim pour rebondir? Et par exemple, est-ce que vous serez prêt à racheter des actions de Lafarge Olsim telles qu'a fait le CEO de JP Morgan récemment en achetant un salaire? Racheter des actions de Lafarge Olsim. Que l'entreprise soit prête à racheter. Non, est-ce que vous croyez encore justement à un rebond derrière? Bon, alors, merci. Si vous voulez, là je vais refuser de commenter parce que je suis administrateur, mais je ne veux pas commenter la situation... financière, la situation du groupe, alors qu'on est à 15 jours ou 3 semaines de la publication des résultats et que c'est le patron du groupe qui doit faire ce genre de commentaires. Je peux commenter de façon un peu générale, mais je ne veux pas aller trop loin dans l'analyse, si vous voulez, de la situation du groupe actuel. Bonsoir, Thomas Bernot, étudiant à l'ENSEA. Tout à l'heure, vous nous avez montré toute l'importance qu'accordaient les entreprises à l'environnement. Et justement, à partir de là, que pensez-vous de l'avenir de l'entrepreneuriat social en France et dans le monde? Que pensez-vous de l'avenir de l'entrepreneuriat social? D'accord. Alors, bon, la réponse, c'est probablement que je ne sais pas très bien. Moi, j'ai été plus dans l'expérience du fait que
la responsabilité sociale de l'entreprise dans une entreprise dont la forme classique, si vous voulez, dont l'objectif affiché est économique, etc., c'est possible. Alors, l'entreprise solidaire, je constate qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine. Ça me paraît une bonne chose. Ce sur quoi je ne sais pas, c'est est-ce que ça peut être en termes d'importance, si vous voulez, quelque chose qui prenne une importance considérable dans les secteurs économiques marchands. Il y a tout un secteur, effectivement, autour du social, où des entreprises qui ont à la fois un objectif social et un objectif économique, en tout cas qui veulent ne pas perdre d'argent tout en remplissant un objectif social, me paraissent parfaitement viables. Effectivement, une bonne façon de mettre son énergie au service d'un objectif social et en utilisant la méthode de l'entreprise qui est finalement l'efficacité. L'entreprise, c'est quoi par rapport à une autre forme d'organisation ? C'est une organisation qui génère de l'efficacité, qui a horreur du gaspillage et qui va utiliser le mieux possible un certain nombre de moyens, de ressources limitées pour essayer d'obtenir le maximum de résultats. C'est ça l'entreprise. Alors, qu'on utilise ces méthodes-là dans des objectifs, avec des objectifs qui ne sont pas des objectifs économiques, mais qui sont des objectifs sociaux, moi, ça me paraît une très bonne idée. Alors, il y a une nouvelle loi californienne qui permet, paraît-il, d'avoir une entreprise à double objectif, qui est à la fois un objectif économique et un objectif social. Il y a des gens qui veulent investir leur argent en disant « je demande à ce qu'on me donne un minimum de rendement, mais le reste, je le donne en quelque sorte à un objectif social ou je le donne à une action d'intérêt collectif. Bon, » Donc, on peut effectivement mélanger dans des proportions différentes, le social et l'économique. Ce dont je ne me rends pas compte, c'est est-ce que ça peut complètement déplacer le secteur classique ou non ? J'en sais rien. Le secteur coopératif, par exemple, a connu un fort développement au XIXe siècle, et puis après, il s'est étiolé. Et il n'y a maintenant que la coopérative de Mondragon, que tout le monde cite en exemple, pour montrer qu'il peut y avoir une très grande entreprise internationale sur le modèle coopératif. Donc, est-ce que... Et qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un secteur social bien identifié et un secteur économique bien identifié ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que l'ensemble des entreprises économiques, si j'ose dire, intègrent la responsabilité sociale des entreprises ? Je crois qu'il faut probablement les deux. Et donc, je pense que c'est important. Mais on en a fait un ministère. Enfin, on a fait un ministère pour ça. Je sais pas très bien quel est l'équilibre qui peut s'établir entre les deux. Ça dépendra un peu aussi du dynamisme du secteur, du goût des gens comme vous à aller y travailler ou pas, etc. On trouve facilement du travail après un master d'entrepreneuriat social. Pardon, on trouve facilement un travail après un master d'entrepreneuriat social. Oui. Même à. Oui, oui, oui. Même à Princeton. Non, mais actuellement c'est un. Mais non, mais ça veut. Attendez, l'entrepreneuriat social, il y a deux types d'entrepreneuriat social. Il y a celui qui est financé, qui se finance sur les fonds de l'État, sur les aides de l'État en matière sociale. Et puis il y a celui qui se finance sur le marché économique des biens marchands. Et ce n'est pas la même chose. Donc, l'entreprise sociale, prenez par exemple, j'ai été administrateur de la Fondation d'Auteuil. Dans un sens, la Fondation d'Auteuil, c'est une entreprise sociale. C'est quelqu'un qui sait utiliser le fait que l'État lui confie des jeunes et lui donne une certaine subvention, qu'il demande au public un complément d'argent, et qui sait faire avec cet argent quelque chose d'efficace, et qui sait faire une éducation qui permet aux jeunes de trouver un job. Parce que 80 et quelques pourcents des gens qui sortent de la Fondation d'Auteuil ont un job, ce qui n'est pas le cas des jeunes de même absence de qualification qui vont dans d'autres filières. Donc ça, alors il y a des entreprises d'insertion,
C'est très intéressant. Alors, mais il y a d'autres entreprises qui, comme celle dont je vous parlais tout à l'heure à propos du consultant, qui veulent vivre dans le domaine marchand tout en ayant un objectif social. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir cette variété de secteurs et de. Je trouve que c'est pas mal. On a peut-être le temps pour une dernière question. Bonsoir, Louis Cormeret, ingénieur ESTP, actuellement étudiant à l'ESSEC. J'avais une question un peu plus technique sur la pénurie locale de sable qui est actuellement connue dans le monde. Par exemple, on constate que les constructions de béton armé à Dubaï se font livrer leur sable depuis l'Australie. Est-ce que ces pénuries locales de sable sont une véritable question que vous réfléchissez, vous, au sein du groupe, ou c'est juste un buzz médiatique? Le fait que les constructions de béton armé, j'ai pas bien compris, encore une fois. Les pénuries locales de sable, aujourd'hui, les pénuries locales de sable, ok, oui, d'accord. Est-ce que c'est un sujet auquel vous réfléchissez, vous cherchez des solutions alternatives, ou c'est un faux problème qui fait juste un buzz médiatique assez faible pour le moment, mais qui est réfléchi? Honnêtement, bon, il y a effectivement des pénuries locales de sable, mais s'il y a des pénuries locales de sable, on peut broyer des roches dures. Hein. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Ça fait, il faut savoir maîtriser la composition d'un béton qui, au lieu d'avoir du sable de rivière granulaire, aura des morceaux de calcaire ou autre qui sont plus angulaires, etc. Donc ça n'a pas les mêmes propriétés techniques, mais avec des ciments convenables et des adjuvants convenables et un mélange, une formulation convenable, on fait du très bon béton, même quand on n'a pas de sable. Hein. Donc ça me paraît pas, et honnêtement, au niveau des ressources générales de la planète, il ne me semble pas que le sable soit fondamentalement un problème. Alors effectivement, localement, c'est vrai, quand on n'en a pas et qu'on va en chercher dans la mer, ça choque un grand nombre de gens. Moi, je pense que si c'est fait proprement, ce n'est pas complètement idiot. Comme toujours, on peut le faire mal, on peut le faire bien. On peut le faire dans des conditions qui font des dégâts atroces au fond marin ou aux plages voisines, etc. On peut le faire bien. Mais encore une fois, alors effectivement, il y a un problème de coût. C'est vrai que si on n'a plus de sable, il faut. C'est un peu plus compliqué, ça peut être un peu plus cher. On travaille là-dessus, on travaille sur des bétons à composition différente suivant les régions, mais même dans la région parisienne, si vous voulez. Autrefois, on n'utilisait pas de roches mouillées parce qu'il y avait plein de sable de Seine. Maintenant, il y en a moins, on modifie les équilibres. Ça me paraît pas être un problème, si vous voulez, de même dimension que quand vous dites la pénurie d'eau dans certaines régions du monde ou les problèmes de pénurie de métaux rares. Le calcaire, à la limite, pour nous, pour le ciment, le calcaire est plus rare que le sable. Et il y a des endroits où, effectivement, il n'y a pas de calcaire. Et donc là, on a plus de problèmes. Merci beaucoup, monsieur, pour cet excellent débat. Nous invitons le public à poursuivre cet échange, s'il veut, autour d'un petit cocktail donc, qui se tient à la cafette de l'école.